Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons maintenant la leçon de science et anatomie. Qu'appelle-t-on science et anatomie? Eh bien, la science et anatomie, c'est une science qui étudie le corps humain, le fonctionnement du corps humain. Alors, vous allez observer le croquis du corps humain que je vais dessiner très rapidement au tableau. Voilà, en observant le croquis que je viens de dessiner très rapidement là-bas, c'est un croquis du corps humain. Alors, en sciences et anatomie, nous allons étudier les parties du corps humain. En observant notre croquis là-bas très rapidement, nous trouvons que le corps humain a combien de grandes parties? Là-bas, le corps humain a trois grandes parties. Nous voyons trois grandes parties. La première partie, c'est la tête. Alors, la tête est formée par le crâne et la face. Le crâne, c'est la partie couverte de cheveux. La face, c'est ici devant. À part la tête, nous avons le tronc. Le tronc est formé par le ventre et le dos. Le ventre s'appelle encore l'abdomen. À part le tronc, nous avons les membres. Parmi les membres, nous avons les membres inférieurs. Les membres inférieurs sont formés par la jambe, les pieds.